Bonjour, monsieur le scientifique. Vous avez appelé notre numéro? Bonjour. Oui. D'accord. Parce que, en fait, je voulais montrer un nouveau prototype de vie que j'ai créé. Quel genre de vie? Le type de vie? Attendez, je reviens. D'accord. Je me demande c'est quelle sorte de type de vie qu'il s'agit. Peut-être que c'est la création, je sais pas. Ouais, je me demande c'est quoi. Je vous présente ma création. Aïe, c'est même là, tu sais. Holy shit, c'est ça ta création. Oh my god. Holy shit. C'est les personnes à qui je voulais montrer ma création. Holy shit. Ils vous ressemblent. Elle me fait peur ta création, monsieur. Est-ce que vous êtes sûr que vous aviez bien travaillé dessus parce qu'elle est vraiment étrange, votre création? Ok, ouais, ben, enchanté, Doc. Enchanté. Est-ce que je peux t'appeler le Chris d'Arnaqueur? Hey, je te jure, man. Si tu commences, fais-moi cinq claques dans la gueule, ok? Ok, désolé. C'est bon. Je te jure, man. Je suis vraiment désolé. Attends, ça t'a pris 2 ans de temps à faire ça? T'es sérieux, toi? Je reviens. Est-ce que je peux vous montrer? Ton, c'est vous, Chris, là. Oh! C'est vous! Ok. Je reviens. Oh! Mais... T'es sûr que t'as bien travaillé dessus? Parce que j'ai l'impression que... Il est un peu fucké dans sa tête. Je sais pas, je pense qu'il y a eu un vie. Je pense qu'il y a eu... C'est bon, gars. Ok. Vous avez remarqué quelque chose? Non, on a remarqué. Ouais, c'est comme ici, là, il y a une affaire bizarre. Une genre de boîte. C'est à peu près toi qui m'a crié, c'est du con, merci aussi. Oh my god. Déjà, parle comme du monde à ton créateur. Clem, t'es pas censé manquer de respect, c'est lui qui te crée justement, donc si je serais toi, je resterais poli, hein. Clem, respecte les autres, là, je veux dire. Oh, grand maître. Ben voilà, hein. Tabarnak, je pensais pas qu'il y avait... Je pense qu'il faudrait que tu fasses des petites programmations dessus, hein. On peut plus. Ouais. Il est trop tard. Je suis né. T'es sûr que... Toi, cet enfant-là, il est trop tard, il est mis. Mais bah non, chier. Mais wow! Ok, ouais, je comprends, c'est bon. Oh, j'aime mieux ça, moi. Bouge plus que je couvre le cerveau, tabarnak. Mais j'ai pas de cerveau, Chris, une relique. C'est quoi une relique, Chris? Oh my god. Il y a de l'air un peu dangereux. Ouais, je sais, il est bizarre. Je sais pas pourquoi. Je pense que tu devrais le détruire puis le refaire, hein. Ouais. Je peux te décoller ici. Tu te rends pas que tu la colle. Mais vas-y, puis tu bois un seul verre. Vas-y. Quoi? Un robot qui boit de la bière? Hein? Je sais pas, il est bizarre. Voyons, Chris, c'est pas pour les robots d'alcool. Un robot peut pas boire d'alcool. Ok, j'ai une affaire. On va aller. Ah! J'ai pris trop de reliques, je pense. Oh my god. Tabarouette. Le problème, c'est que quand je prends des reliques, il est très étrange. Comment il sait mon nom, ce gars-là? C'est parce que c'est écrit sur sa crise de cœur dans ton t-shirt, est-ce con. Ok. Voilà. Maître, qu'est-ce que je fais quand j'ai trop de reliques? J'arrive pas à les enlever. Oh, moi, t'es sérieux, maître. Peux-tu me donner à boire qui est juste là, s'il te plaît? Merci. Oh my god. C'est quoi ce robot? Pourquoi j'ai créé ça? Est-ce que je peux le tuer, monsieur? Non, il est tellement invincible, il frappe tellement fort. Oh, ouais, il me fait pas peur. Hey, veux-tu te battre? Je vais le tuer. Holy shit. Je vais fermer ma gueule, je pense. Qu'est-ce que ça fait quand on insulte? Hey, sti, ta mère la pute! Aucun effet, à moins que tu veux que t'es mort. Et que je te donne une claque? Non, ça va aller. Non! C'était pas ça! Excusez, il m'a insulté, monsieur, là, c'est pas gentil. Tu t'es-tu regardé, yo, Clem, t'es tellement moche, là, ça a pas de bon sens, yo. Tu vas m'écouter! Avec tes pics partout sur le corps, tu me frappes, yo? Mon gars! Je pense qu'on va devoir prendre ça. Calme-toi, je veux pas l'envoyer. Tu m'as donné naissance, là. Qu'est-ce que t'as... Oh my god, wow! Comment t'as fait ça? Ça, c'est la piquée des rocs. Monsieur, je l'ai dit, tout, c'est pas normal. On a piqué pour le tuer, on peut dire.
Non, si je peux sauver le monde, je vous veux. Écoute, yo, faut que tu te calmes, là. Je l'ai endormi. Oh, c'est bon. Là, tu devrais faire des programmations dessus, là. Oh mon dieu, courez. Oh my god, il va détruire l'univers. Holy shit. Courez. Oh putain. Wow. Oh. Oh mon dieu. Alexandre. Oh mon dieu. Non, on se calme, on se calme. Non. Wow. S'il te plaît, fais-moi pas de mal. Je t'en supplie. Wow. Calme-toi, calme-toi. Bon chef. Il a voyé. Ah. Wow. Est-ce que tu vas nous faire du mal? Non, mais écoute-moi bien, Alex. Attends, juste... You. Hey, il a complètement disparu. Ah, c'est bon. Holy shit. Excuse-moi. Ouais. Le problème, bah merci. Le problème, c'est que moi, je suis un petit peu bête avec des gens. Ok, ouais, je vois. Mais je peux être très gentil et sauver la planète entière si je me mets énormément. Ah, ouais. Pourquoi tu parles comme un slon? Non, pique-moi pas, s'il te plaît, là. Pourquoi tu parles comme un slon, yo? Parce que plus que j'ai de reliques, plus que je parle grave, plus que je deviens petit, plus que je deviens voix aiguë, comprends-tu? Ok, ouais, je vois. Il est fucking bizarre, ce gars-là. Oh, tu m'as pas de ma boîte! Presse de gros épais! Wow, calme-toi! Donc là, c'est ça. Bon, fait que sinon, est-ce qu'on peut faire des activités avec toi, je sais pas, avoir du fun, jouer au ballon, faire du basket. Ouais, ça serait cool, honnêtement, t'as l'air d'un esti de mon gars. Ah ouais, fais-moi un check, yo, Clem. Sans me faire mal avec tes doigts, par contre, parce que... Clem, Regardez ce que j'ai trouvé. Bon, fait que c'est ça. Bon, donc là, les amis, ce que je voulais vous dire, maître, merci de m'avoir fait naître. Ça rime, mais ça... C'est très gentil, ça fait à peu près 3 siècles que j'attends que quelqu'un qui me fasse vivre, là, à un moment donné. Hey, avant, t'étais quoi, toi, genre? J'étais pareil. Hein? Non, mais avant qu'il te fasse naître, là, tu sais. Il y a 3 siècles. J'étais ça. Une petite boule. Ah, oh, t'étais grâce une petite à tous boule. Ces enfants-là, ça devient une créature, c'est-à-dire Mac, moi. Ah, je vois. Tu savais pas jouer une créature au pic. L'ingénieur? C'est moi. C'est lui qui va créer et puis il est con à ce point-là. Il est bien en con, ce gars-là. Je te pogne, là, puis dis-moi. Attends, donne-moi ça. Attends. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de le laisser en vie parce que, comme il m'a dit tantôt, ça a l'air qu'il peut être à la fois gentil et à la fois méchant. Donc, dans le fond, il pourrait sauver l'univers, ok? Admettons qu'il y aurait une fée du monde, mais lui, ce qu'il préfère, c'est sauver l'univers. Mais il pourrait aussi détruire l'univers, tu comprends? Donc, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée qu'on le laisse en vie. Tu sais? Je pense qu'on devrait s'en débarrasser, mais comment? Tu sais, il paraît gentil, il parle bien, mais peut-être que. Il est méchant, tu sais, on sait pas, peut-être que. C'est un tueur, pis qu'il va détruire la planète, on sait pas, hein, tu sais. Je pense qu'on devrait essayer de s'en débarrasser. L'inventeur de cette affaire-là a fait une grave erreur. Wow. Ok, calme-toi. Je vais t'écraser, maître. Tu vas pas. Je vais te prendre, toi, mon tabarouette. Hey, Alexandre. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Faudrait qu'on s'en débarrasse. Non, les amis, est-ce que vous pouvez donner un gun d'en face, s'il vous plaît, une balle, parce que là, il me fait chier. Ah, pas de problème, j'en ai dans mes poches des guns, là, monsieur. Mais moi aussi. Non, toi, pas. Attends. Juste prendre le gun que j'ai dans mes poches, là. Voilà. Ok, là, c'est assez niaisage, là, tu vas fermer ta gueule, ok? Sinon, je te bute. C'est clair? Pourquoi personne, tout le monde veut me tuer? Ça donne quoi si je fais ça? Oh mon dieu, je suis vraiment désolé! Oh putain! Ça va? T'es con?
Ouais, mais excuse-moi, yo, mais c'est parce que là, je pouvais pas m'empêcher. Tu sais comment t'en remettre? Oh mon dieu. Je suis désolé. Tu sais comment t'en remettre? Oh mon dieu. Run, cours. Putain, j'ai peur, là. Holy shit. Hey, est-ce que ça va aller, yo? Je suis vraiment désolé de t'avoir tiré dans la face, je pouvais pas m'empêcher, mais bon, tu dois être tough, toi. Hein? Hey, non, ça va, on se fait un top là. Hey, ouais, fais attention! Bon, avec moi, on doit opérer. Ok, ouais. Ah! Non, putain. Ah, excuse-moi. Moi, je vais le mettre encore en mini-suit. Ok, ouais. Oh my god, c'est bien malade, cette affaire-là. Excuse-moi, juste te prendre. Ok, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Wow! Mais qu'est-ce qu'il y a fou? Oh my god! What the fuck? Oh mon dieu, c'est quoi ça? Courez, vous nous suivez. Oh putain. Il va nous lancer des bombes, courez. Ok, ouais. Mais c'est un fou, lui. Non, oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça va-tu, man? Es-tu correct? Ça va faire des conneries. Holy shit. J'avais aussi un arbalète. Oh my god. Je suis un chasseur de bombes. Holy shit. Ok, arrêtez, il va se mettre enragé, il va se mettre en colère. Oh my god, ok, arrêtez, faut qu'on s'en débarrasse d'une manière discrète, là. Ok, bon. Oh mon dieu. Lâche ton arbalète. Oh putain. Hey, je suis ton bête. Oh my god, merci. Mais tu penses pas que... Wow, tu y vas un peu trop rough, là. C'est parce que tu l'as tué, je pense. Hein. Chris, il est rendu où? Bon, Alex, écoute-moi bien. Wow, man, tu me fais peur, là. Non, je veux pas te faire de mal. Est-ce que tu veux devenir mon ami? Ok, pourquoi pas. Ensemble, pourquoi faire des aventures? Ouais, j'avoue, ce serait cool. Ok, enchanté de te rencontrer. Enchanté, moi c'est Nan. Je sais, tu me l'as dit tantôt, l'amnésie, et monsieur. Toi, c'est Alex, ouais. Ouais, hein. C'est quoi cette affaire-là? Je sais pas, il bon, on est calé ici. On est bien, toi. Le monde, là. Ah, ouais, c'est tellement beau cet endroit-là. Yo, check ça, le paysage. Putain. Ouais. Oh my god, c'est trop beau. Oh my god. Hey, finalement, t'es une bonne invention, toi, c'est. Oh my god. Kim. C'est normal ou la bombe bouge toute seule, là? C'est vraiment pas normal. Je sais pas ce qui se passe. Attends, je vais aller les croire. Bon, calme-toi. Est-ce que je devrais le faire? Pourquoi pas? Je sais pas, éloigne-toi un peu. La bouge toute seule, yo. Wow! Tu m'as fait mal! Oh my god, attention, ça va sauter, yo, je pense. Oh mon dieu! Oh, oh my god! Oh! Holy shit! T'es-tu correct, man? T'es-tu correct? Oh putain! Oh fuck! Oh my god! Ça va dessus, man? T'es-tu correct? Ouais, ça va, un petit peu, Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Oh my god, t'es tellement tough, toi! Quand j'ai écrasé la bombe, elle a éclaté. Mais je pense que je l'avais remarqué, on hein. Va? Ouais, on fait quoi? Ah oui. Allez, viens, toi. Aïe, c'est bien malade, cette affaire-là, yo, putain! Toi, je t'ai demandé, Steven. Ah, tu vas sauter!
puis tu vas, je vais te pitcher là-bas, ok? Non, 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 j'ai pas envie. Non! 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 Ok. Ça va-tu, mon dieu? Ouais, ça va. Putain, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai comme pas trop envie. Tes doigts sont très 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 durs. Bon, c'est bon là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas. Faut que je t'avoue quelque chose. Man. Peut-être, tu vas peut-être vouloir me tuer, mais tantôt j'ai parlé avec Alexandre, là, l'autre gars, là, mon ami en fait, qui était là tantôt. Là. Puis je lui ai proposé de se débarrasser de toi. Je suis vraiment désolé. Je voulais me débarrasser de toi. Attends, tu me laisses-tu faire quelque chose? Oh putain! Oh my god! My god! Ok. Non mais c'est parce que j'avais peur en fait, là, tu sais, je me suis dit, es-tu dangereux? Je sais pas, parce qu'il m'avait dit qu'il pouvait être à la fois gentil pis méchant, tu sais. Ok. Ok, c'est bon. Mais tu sais, c'est parce que j'ai comme un peu peur de toi, hein. Tu devrais pas avoir peur de moi, oh putain. T'es sûr? T'en fais pas, là. Je suis pas dangereux à ce point-là. Ouais. Puis, et puis, je peux être comme ça si tu veux. Ferme tes yeux, d'accord? La mort est encore, là. What the fuck? Je peux éclater, mais ça se peut que tu revoies par là, ok? Non, j'ai pas envie. T'es prêt, Alex? Non, j'ai pas envie. Non. Oh mon dieu! Oh putain, non, 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 non. Allez, ça va être mon dieu. Ah putain, non, ça va pas très bien. Oh my god, je me sens pas très bien tout d'un coup. C'est chaud là-dedans! Qu'est-ce que ça vaut-tu, Alex? Ah, laisse-moi prendre ta main! Putain, la bombe! Tu serais pas des esprits! Il y a une bombe juste là, Chris, ça va nous tomber dessus! Il faut que j'aille à l'hôpital! What, mec? C'est quoi cette affaire-là? Oh my god! Ça fait aucun effet. Allez, monte! Peux-tu me soigner, man? Bon, là, tout va bien, ok? Là, je vais te mettre quelque chose. Attends, juste le prendre. Tu vois ce truc bleu-là? Ah ouais? Soigner, ok? Bouge pas. Ok, oh putain, c'est pour me soigner, ça! Voilà. Ouf, ça va super bien tout de même. Ça va-tu mieux là? Ouais, ça va mieux. Ça l'a pris de bombe! Pourquoi arrête pas de bouger tout seul là, la bombe? C'est pas normal. Alex, est-ce que tu peux monter dans l'arbre s'il te plaît? Attends, bouge pas. Comment ça? Je vais te monter, ouais, viens. Pourquoi tu veux que je monte dans l'arbre, yo? Ah oui, monte dans ma main. Ok. Ouais. De l'autre, tu vas voler comme un fou. Okay. Ah, c'est bon, oh. Tiens. Aïe, shit. T'es dans le sapin ou quoi? Ouf, ça va, ça va. C'est bien, là? Ouais, c'est bon. Il me dit si tu tiens. Oh, tabarnak. Ça l'a pris de bon, ok, je suis en désolé, je vais secouer le sapin. Oh my god, une chance que tu m'as attrapé, Carlis. Est-ce que je peux pousser cette bombe? Ah, yes. C'est bon. Bon, allez, je vais te poser attention.
Tu vas atterrir dans 3, 2, 1. Bon, Alex, ça va être simple. Quoi? L'école ici 17, ok? Faut changer d'endroit. Ok, mais on s'en va. Faut sortir le plus loin possible. Es-tu prêt? Ouais. Et tu vas revoler mon gars, mais dans un autre pays, puis je vais te rejoindre dans 2 semaines, ok? Dans 2 semaines? Attends. Mais là, je veux pas me faire mal, moi, là, là. Il se fait, oui. Monter dans 3. Juste okay. Lever ma main, 1, 2, 3. Ok. Un petit peu par là. Ok, Alex, t'es-tu prêt? Un. 3.